J'avais entendu parler de ce personnage un petit peu bizarre qui faisait ses couteaux superbes et je l'ai invité à venir passer un peu de temps ici avec moi. J'avais dans mon grenier une vieille argenterie de famille, une argenterie très classique. Et puis il est venu avec ce projet qui sont des sets de 6 couteaux. Donc ça, c'est les couteaux de l'argenterie de famille avec les armes de la famille de Haute Cloque. Donc on a gardé ça pour avoir le souvenir de pièce originale. Il a gardé toutes les lames qu'il a retaillées et il a adapté des manches. Alors ces manches-là, c'est un vieux chêne bicentenaire qui est tombé pendant une grosse tempête d'été. Je ne pouvais pas en faire des bûches, le brûler, donc j'avais gardé des gros tronçons. Donc on a gardé tous ces manches comme ça en chêne, qui symbolisent la terre de Bermicourt. Et la dernière, c'est des manches à lui en loupe d'érable, voilà, en composite, qui symbolisent notre rencontre, toujours avec les lames de la famille. C'est une histoire, cette argenterie, elle appartient à ma famille depuis des centaines d'années et elle ne servait plus à rien. Donc l'idée du recyclage, de repartir de quelque chose qui dort et de lui redonner une nouvelle vie, ça m'a beaucoup plu. C'est quelqu'un qui est très simple. Quand vous allez dans son atelier, tout pourri au fond de son jardin, avec les toiles d'araignée, la poussière, voilà, et fait sortir de cet atelier des merveilles. Personne d'autre fait des choses comme ça.